Le plus ancien haras de Russie se trouve à Krenovoïe, dans l'oblast de Voroneï, au cœur des steppes du sud de la Russie. Il a été fondé par le comte Alexei Orlov Tchesmensky dans les années 1780. L'ambition d'Orlov était d'élever ici les meilleurs trotteurs du monde. Et sa réussite a fait la renommée de cette vénérable institution. Aujourd'hui encore, la toute première race de chevaux russes des temps modernes porte tout simplement le nom de son créateur, les trotteurs Orlov. Cette réputation qui a franchi les siècles fascine Nastia Kafidova. La jeune femme effectue ici une formation de 3 ans pour devenir entraîneur. Les trotteurs Orlov sont avant tout des chevaux d'attelage. À Krenovoïe, ils sont entraînés principalement aux courses de Troïka et de Sulky. Supervisée par son entraîneur, Marina Inokentievna, Nastia prépare Papriok, un vétéran parmi les trotteurs du haras et aussi l'un de ses principaux reproducteurs. C'est sans doute le cheval le plus fabuleux de ce haras, et en fait de toute la Russie. Il y en a un autre qui est fantastique, mais celui-ci est le meilleur. Il a remporté plus de 110 victoires, sans compter les 2e et 3e places. En un mot, c'est le cheval du siècle. J'ai l'impression que sa force réside dans son mental. C'est un combattant, un lutteur d'hippodrome. Il aime ça. Et il aime beaucoup se montrer. Quand on organise un show pour montrer nos étalons, ou juste nos chevaux, on se met à deux pour le sortir, sinon on ne pourrait pas le maîtriser. Papriok a une certaine joie de vivre. Il est toujours de bonne humeur. C'est une qualité précieuse chez un cheval. Il a un bon esprit, celui d'un battant. L'entraînement quotidien permet à Papriok, que tout le monde ici appelle Pacha, de rester en forme. Et à Nastia d'affiner ses compétences en matière de conduite. En ce qui concerne la pratique, je ne l'ai pas vraiment apprise ici. Je me suis surtout perfectionnée. Avant, je m'occupais déjà de trotteurs. Je sais ce que c'est, comment on les forme. Peut-être même que j'ai un peu perdu, car sur chaque hippodrome, dans chaque écurie, il y a des choses qui changent et qu'il faut revoir. Vas-y, vas-y. Comment il est? Tout va bien? Doucement, ne te presse pas. J'ai l'intention de continuer à m'occuper de trotteurs, de les entraîner, de me produire avec eux, de faire des compétitions. Où exactement, je ne sais pas encore, car il y a beaucoup de possibilités. Et j'ai envie d'aller partout. À Krenovoïe, les bases essentielles de l'élevage des chevaux en Russie ont été posées plus solidement que partout ailleurs. Malgré la réputation dont jouit le haras qu'elle dirige, Tatiana Kalugina fait face à une rude concurrence. Alors, pour attirer acheteurs et sponsors, elle organise régulièrement des exhibitions. Avec Olga Igolnikova, la directrice du musée du haras, elle règle les derniers détails du spectacle qui aura lieu le lendemain. Comme étalon, nous aurons comme d'habitude Pepel, Pilgrim, Zveroboy et Vip Personne. Une jument grise, ça sera d'un très bel effet. Oui, gris pommelé, c'est très beau. Olga, est-ce que je demande à nos jeunes gens de faire quelques tours de trot attelé? Et on pourrait montrer en plus quelques figures sportives.
Ce serait très bien. Il pourrait faire des sauts et quelques tours. C'est parfait. Alors à demain. D'accord, à demain. Depuis la création de cette race, Orlov a soigneusement comptabilisé les chevaux et réalisé leur sélection. Et aujourd'hui, ces travaux servent de base au recensement zootechnique. Ici, on valorise un passé glorieux. En Russie, actuellement, les conditions ne sont pas très favorables à l'élevage des chevaux. Si on développait un peu plus les paris mutuels, on percevrait un certain revenu. Et avec des subventions plus importantes et une plus grande aide de l'État à l'élevage des reproducteurs, il nous serait bien sûr plus facile de travailler. Depuis quelques années, le hara appartient à un exploitant agricole. Il subventionne l'élevage grâce à la betterave sucrière qu'il cultive dans les champs fertiles des environs. Mais même à l'époque du comte Orlov, l'élevage équin à grande échelle n'était pas très rentable. La construction et l'entretien des immenses écuries engloutissaient des sommes colossales que le très entreprenant comte Orlov réunissait en faisant fructifier d'autres affaires. Aujourd'hui encore, quand il n'est pas subventionné par l'État, l'élevage de chevaux est une activité à risque que seuls des amateurs assurés de bénéfices annexes acceptent de courir. Krenovoïe n'est pas seulement un hara. C'est aussi la seule académie de Russie à former de futurs entraîneurs. Environ 80 étudiants des quatre coins du pays apprennent ici tous les aspects de la filière. À la fin de leurs études, la plupart d'entre eux trouveront du travail. Car en Russie, les sports équestres et l'équitation de loisirs ont le vent en poupe. En ce qui concerne la théorie, nous avons beaucoup appris ici. En particulier sur l'alimentation. C'était très intéressant. Aujourd'hui, nous allons étudier avec vous le harnachement de course, ses différents éléments et leurs fonctions. Vous avez devant vous un attelage de course où la pression est répartie. Et tous les dispositifs sont fixés à une sangle. Yevgenia Kolmagorova est originaire de Barnaoul, dans l'Altaï. À 30 ans, elle est l'une des étudiantes les plus âgées de l'académie. En Russie, c'est la seule école où on peut faire ce genre de formation. Cette académie forme des cavaliers. En plus des cours spécifiquement axés sur le cheval et l'équitation, on a des cours de maths, de psychologie, d'anglais, etc. Les étudiants viennent de tout le pays. Beaucoup sont originaires de Sibérie, mais il y a aussi des gens de l'Oural, de Crimée, de toute la Russie. Balayer la cour fait partie de toute formation équestre, et personne ne peut s'y soustraire. Mais les élèves de l'académie savent aussi s'amuser. Pour s'entraîner, ils effectuent tous les transports sur le domaine du hara en attelage. Une tâche que Yevgenia apprécie particulièrement. J'aime beaucoup les vieux chevaux, ceux qui ont déjà un certain vécu. Ils sont si calmes et d'une grande sagesse. Pendant que Yevgenia prépare l'attelage, Nastia va voir Vadim Ignatov, responsable de tous les travaux de sellerie à Krenovoïe. Avec 80 chevaux de course, et donc au moins autant d'étudiants, les réparations ne manquent pas. Bonjour. Bonjour.
J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui vous arrive? Toute la selle s'est déchirée. C'est arrivé pendant le dressage d'un poulain. Il s'est accroché. Ah, c'est une grosse réparation, il faut tout reprendre. C'est l'arçon. Je vais voir ce que je peux faire. Mais oui, je vais pouvoir vous la réparer. Quand est-ce que je pourrais la récupérer? Dans 2 heures environ. Vous auriez vu ça? Je repasserai plus tard alors. Rester sans rien faire, les bras croisés, respirer les vapeurs d'essence, par exemple, ce n'est pas pour moi. Je préfère nettement sentir la transpiration des chevaux, l'odeur des peaux. Ça me convient mieux. J'ai une grande famille. 6 enfants, dont 5 garçons. Alors j'essaie de leur apprendre le métier. Mes enfants ont l'habitude de travailler. Ils ne rechignent pas devant des tâches ingrates. J'ai été employé dans d'autres haras, mais ça fait 8 ans que je suis ici. C'est là que je me plais le plus, je me sens chez moi. J'espère pouvoir continuer à travailler longtemps à cet endroit. L'après-midi, Nastia et Yevgenia vont faire quelques achats au petit marché du village. Elles n'ont pas beaucoup d'argent et n'hésitent pas à marchander. Elles sont avec les noyaux? Oui. Ok. C'est tout. Et un oignon. J'ai que 2 pommes de terre, alors un mini-oignon, ça suffit. Tenez. Merci, et merci pour l'oignon. Sur le chemin du retour, les 2 jeunes femmes confrontent leurs expériences. Mes premières impressions quand je suis arrivée à Barnaoul, j'ai traversé la ville et tu sais ce qui m'a plu? C'est qu'il y a partout des panneaux indicateurs. Chez nous, à Novosibirsk, il n'y en a pas. Personne ne trouve l'hippodrome. T'as raison. C'est vrai, il faut connaître. Et ce qui m'a tout de suite frappée là-bas, c'est le nombre de poneys. Maintenant, tous les hippodromes ont été nationalisés. Ah bon? Et en plus, des paris mutuels commencent à s'ouvrir un peu partout. Mes petites chéries! Salut! Mes mignonnes, mes toutes mignonnes. Nastia et Yevgenia retrouveront leur trotteur demain matin à 6h pour l'entraînement quotidien. Mais elles ne peuvent pas passer devant eux sans leur offrir une boîte de sucre. Aïe! Tu me mords! Début novembre, l'automne pointe résolument le bout de son nez. Les rayons du soleil ont perdu de leur chaleur et bientôt céderont la place à des jours courts et brumeux. Pendant le repas pris en commun au foyer des filles, le cheval est bien sûr au centre de toutes les conversations. Nastia, qui a presque terminé sa formation, inspire respect et admiration à ses colocataires.
Pour autant, pas sûr que le comte Orlov aurait approuvé quand elle affirme que les juments jouent un rôle insignifiant dans la transmission. Les enfants de Papriok lui ressemblent, ils ont le même caractère. Tous ces enfants sont pareils, de vrais frimeurs. Les juments ne ressemblent même pas à leur père. Seuls les mâles héritent de leur caractère. Quand on les fait sortir pour le dressage ou simplement pour les montrer, ils sont tout fiers. Regardez comme je suis beau, je sais tout faire. Je peux lever les jambes, les agiter, et puis je sais sauter. Et on dirait qu'ils disent aussi « Regardez comme je sais voler » quand ils s'élancent au-dessus du sol les quatre fers en l'air. C'est incroyable. Arrête-toi, Pacha. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Quand même, fais plus attention dans les virages. Tu dois être plus attentive. C'est toi qui le dirige. Dans les lignes droites, tu peux le laisser faire. Il est déjà en sueur. Nastia s'est très bien comportée. Elle a un tempérament et un esprit sportif. Je pense que tout se passera bien pour elle. Elle aime les chevaux, elle a le sens des responsabilités et je lui souhaite le meilleur possible pour l'avenir. Je pense que je vais continuer à travailler avec les chevaux. Dans 15 ans, j'aurai peut-être des enfants, un mari, une famille, sûrement même. Mais je n'abandonnerai pas les chevaux. C'est toujours pareil. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'en sort plus. On s'en va, mais on revient toujours vers les chevaux. Je crois que c'est pour la vie. C'est à quelques 600 km au sud de Krenovoye, dans la région du fleuve Don, que se trouve le berceau des Cosaques russes. Dans leur culture, les liens qui unissent l'homme et le cheval sont sans doute les plus étroits au monde. Depuis près de 500 ans, les légendaires chevaux du Don sont les plus proches alliés des Cosaques, en temps de guerre comme de paix. Cette race a vu le jour dans les steppes du sud de la Russie. Les conditions climatiques extrêmes ont fait d'eux des chevaux très résistants, robustes et peu exigeants.
Les Cosaques, qui à l'origine étaient des paysans soldats, ont joué de multiples rôles dans l'histoire de leur pays. Leurs chevaux devaient être à leur image, audacieux, intrépides, prêts à affronter vents et marées pour leur maître. Anton Orchinski est un de leurs héritiers. Originaire de Rostov-sur-le-Don, ce jeune homme de 32 ans dirige un groupe de cavaliers et s'investit pour un renouveau des traditions cosaques. Son objectif est aussi de redonner ses lettres de noblesse au cheval du Don, aujourd'hui devenu rare. Plusieurs fois par an, Anton rend visite à Alexei Petrovitch, qui dirige le plus important haras de chevaux du Don près de Salsk. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alexei Petrovitch, il a fallu attendre l'automne pour se voir. Oui, ça fait un bout de temps. Viens, je vais te montrer nos champions. Le premier, c'est Brooch. Je te montre Brooch et après sa descendance. C'est surtout son fils qui m'intéresse. Tu vas voir son fils et c'est pas tout. Salut mon grand, on y va? Il est magnifique. J'ouvre la porte ou il passe? Non, il passe. C'est un cheval militaire. Un cheval de commandant. Un vrai. C'est un reproducteur de haras. Sur un cheval comme lui, on peut mener la parade militaire. Et pas seulement on peut, on doit. C'est un étalon de grande classe. Mais il n'a donné que 4 juments. Sa lignée reste puissante. En tant que reproducteur, il a remporté la première place à toutes les expositions auxquelles il a participé. Et ses fils aussi, quand nous les y emmenons. Je vais maintenant te montrer Blues. Mais on ne va peut-être pas le sortir. Pourquoi nous venons ici? Parce que, premièrement, ce haras fait partie de notre patrimoine historique. Toutes nos traditions d'élevage des chevaux sont conservées ici, même si l'aspect extérieur des lieux laisse à désirer. Ce haras vit en ce moment une période assez difficile. Mais venir ici, c'est agréable. Ça fait chaud au cœur. J'observe le comportement des chevaux. Ces magnifiques Donchaks, la race du Don. Ce sont encore des enfants en réalité. Pourtant, on voit déjà qu'ils ne sont pas seulement des chevaux, mais des camarades de guerre. Tiens, le voilà qui s'approche. Il a l'air de dire, alors, on part en campagne? Ces camarades de guerre, l'équitation sportive moderne ne les a pas encore découverts. Les chevaux du Don sont très peu demandés. Anton et Alexei veulent renverser cette tendance pour que le cheval des Cosaques ait un avenir. J'aime tout dans mon travail. Je suis un homme heureux. J'aime les animaux et les gens avec lesquels je travaille. J'aime nos grands espaces, ces longues distances que nous parcourons. J'aime tout. J'aime les nourrir et me lever tôt. J'aime les voir naître entre mes mains. J'aime tout ça. Depuis quelques années, les Cosaques semblent renaître de leurs cendres. Ils sont en train de se faire une nouvelle place dans la société russe, civile cette fois-ci, mais toujours accompagnés de leurs chevaux. Grâce à leur monture, les cavaliers inspirent le respect, mais également une certaine sympathie. Subventionnés par l'État, des écoles de cadets cosaques ouvrent leurs portes dans de nombreuses villes russes. Très souvent par le passé, l'État russe a combattu les Cosaques dans le sang. Aujourd'hui, non seulement il tolère le renouveau de l'organisation cosaque, mais il le favorise activement. Les valeurs qu'elle prône, discipline, esprit de corps et activité physique, vont tout à fait dans le sens des objectifs patriotiques de la Nouvelle Russie. Pour familiariser ses élèves à l'équitation, l'école de cadets d'Orlovski travaille avec le centre équestre local. À 14 ans, le jeune Alexei est déjà bien en selle.
Tout tourne autour du cheval. Il y a mes amis et les gens avec lesquels je travaille. Nous allons partout à cheval ensemble, à travers champs, nous nous entraînons ensemble, nous discutons, nous rions, nous jouons. Quand j'étais à l'école, un jour, le professeur principal nous a annoncé qu'un corps cosaque de cadets allait être créé dans la région d'Orel. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être y aller. Un camarade de classe et moi, on s'est inscrits. Et maintenant, je suis dans le corps des cadets cosaques. Une nouvelle élite administrative coordonne depuis quelque temps déjà ce mouvement de renaissance. L'ataman Alexander Korotkov, chef des cosaques du district de Salsk, souligne l'importance du cheval dans sa culture. Autrefois, un cosaque sans cheval, c'était impensable. Et c'est resté gravé dans notre mémoire, car contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, chaque cosaque partait à l'armée avec son propre cheval. Le cheval était son meilleur ami, au combat, où qu'il soit envoyé, et même s'il n'y avait pas de guerre. Le cheval était le lien avec la maison. Bonjour, messieurs les cadets. Bonjour, madame le professeur. Repos, asseyez-vous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre cours d'histoire de la région du Don, nous allons étudier les traditions cosaques. Autrefois, à cette époque de l'année, les cosaques disaient adieu à leur famille et partaient à l'armée. Quelles sont les traditions de notre peuple que vous connaissez? Alexei, nous t'écoutons. Le jour de la naissance d'un garçon, on achetait un cheval pour qu'ils grandissent ensemble. C'est bien. Que sais-tu d'autre? À partir de l'âge de 2 ans, on mettait régulièrement l'enfant sur le cheval pour qu'il s'habitue à la selle. Tout à fait exact. Tu peux t'asseoir. De nombreux changements se sont produits dans le pays. Les cosaques ont survécu à toutes les actions dirigées contre eux. La mémoire des gènes, si l'on peut dire, ou la mémoire historique, a animé les cosaques aux quatre coins du pays. Ils savaient qu'ils étaient des cosaques. On leur a donné la possibilité de créer des sociétés non commerciales, des associations. Et ensuite, la politique du gouvernement nous a permis de connaître une renaissance et d'entrer au service de l'État. L'île de Vodny émerge du lac salé de Goudilo, non loin de l'embouchure du Don. C'est là que s'est échouée une poignée de chevaux du Don après la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, ils sont redevenus sauvages et leur cheptel se maintient malgré des conditions particulièrement difficiles. Ces fiers mustangs ressemblent un peu aux cosaques eux-mêmes, prêts à payer de leur vie leur désir d'indépendance. Dans la petite ville d'Orlovski, peu avant l'arrivée de l'hiver, les jours sont gris, froids et pluvieux. Au centre équestre, en bordure de la ville, les enfants sellent leurs montures. Mais parmi elles, pas un seul cheval du Don, comme le regrette Alexei Solofiov, professeur d'équitation. Je suis certain que ces chevaux ne sont pas moins bons en sport. Mais c'est arrivé comme ça. On a pris ce qu'on nous a donné, de l'argent et des chevaux offerts par des sponsors. Nous n'avons pas eu la chance de recevoir des chevaux du Don, mais je crois que nous pourrons réparer cette situation. Alexei, le cadet cosaque, participe lui aussi au cours. Alexei est un de nos élèves. Il a quitté un autre entraîneur pour venir travailler avec moi. Ça fait environ 3 ans. C'est un bon garçon, très appliqué. Il est respecté par tout le groupe. Je pense que sa présence dans le corps des cadets lui donnera un certain prestige et tout ce dont il aura besoin dans la vie. «
l'école d'équitation est installée dans les locaux d'une ancienne usine. Les jours de pluie, la grange sert de manège improvisé. Mais qu'importe le mauvais temps, pourvu que les cours soient intéressants. Et ici, au pays des Cosaques, ils sont bien entendu gratuits. C'est une école publique, municipale. Elle appartient à la région d'Orel et elle est financée par son budget. Allez, au pas ! L'exercice du jour, demi-tour et départ au galop. Le dernier arrivé est éliminé. Ce sont des enfants comme les autres. D'autant que chez nous, l'apprentissage est gratuit. Comme je vous l'ai dit, c'est une école municipale, donc tout est payé par les pouvoirs publics. Je ne peux pas parler des écoles dans les autres régions, mais chez nous, l'enseignement est gratuit. Alina a 14 ans et s'entraîne ici, elle aussi. Il y a un an et demi, elle a fui avec ses parents la guerre civile dans l'est de l'Ukraine et s'est installée à Orlovski. Alina, tu veux un coup de main ? D'accord, tu peux défaire la sangle. Il paraît que tu vas à Rostov ? Oui, c'est vrai. Pour combien de temps ? 2 jours. Super ! Et tu vas faire quoi ? Il y a là-bas une section où ils font de la Jigitovka. C'est quoi la Jigitovka ? C'est de l'acrobatie. Sur un cheval. Un genre de gymnastique ? Oui. Je vois. Tu voudrais en faire ? J'aimerais bien essayer. Moi aussi, ça me plairait. Allô, Alina, salut. Eh, hey, salut. Tu veux venir avec nous à Rostov ? On a une place pour toi dans la voiture. À Rostov ? Oui, bien sûr, avec joie. On part ce soir. Déjà ce soir ? Je t'appellerai au moment du départ. Bon, d'accord. Salut. À l'heure du thé, Alexei raconte à son père comment s'est passé le cours d'équitation. Il a eu la première place ? Et toi ? La troisième. Ça glissait. Il faut être plus dur. Pourquoi ? Il sent ta faiblesse. Et c'est pour ça qu'il n'avance pas. Irka a toujours sa cravache. Et elle le frappe. Il ne bronche pas. Je l'ai observé à la dernière course. Elle le tient et lui frappe le col, là, sur l'omoplate. Tac, tac, et c'est bon. On y va. Il commence à faire nuit. Il faut y aller. Bon, s'il faut y aller. Les parents d'Alexei soutiennent son engouement pour les Cosaques. Comme beaucoup de Russes de leur génération, ils pensent qu'un peu de discipline et d'autorité ne peuvent pas faire de mal à leur fils. La région de Rostov sur le Don est le berceau historique des Cosaques. Au XVIIe siècle, ces guerriers libres, comme ils s'appelaient eux-mêmes, ont fondé ici leur propre État. La vie des hommes reposait sur des principes égalitaires. C'est en grande partie à cause de cela que leur communauté a plus tard été décimée par les tsars. Aujourd'hui, Rostov, la plus grande ville du sud de la Russie, est un important centre culturel et économique. Au cœur de la cité, à l'hippodrome, Alina et Alexei rencontrent Anton, qui pendant quelques heures va leur transmettre une partie de son savoir. Пускай шагает.
Anton, Alexei. Alina. Vous avez fait bonne route? Oui. Oui. Bien. Et vous n'avez pas froid? Tout va bien. Tant mieux. Je dois vous avouer que, quand j'étais petit, vers 10-12 ans, j'ai vu des jeunes gens du Caucase danser leur très belle lesginka. Et je me suis dit, je suis un Cosaque, mais qu'est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on a des danses à nous? Et quand j'ai appris que nous avions conservé la Jigitovka, qui est une sorte de chorégraphie dansée par le cavalier et son cheval, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à faire ça, parce que je suis un Cosaque. La Jigitovka moderne, c'est le pont qui nous relie à nos ancêtres, à nos traditions, et que nous traversons pour retrouver nos racines. Par cette danse, nous montrons l'union du cavalier et de son cheval, et toutes nos traditions de fiers cavaliers de la région du Don, qui ont su autrefois gagner le respect. Cette main ici. Voilà, c'est ça. Tiens-toi bien. Tu vois, ton doigt doit toujours être fermé pour que tu te tiennes fermement. Vas-y, plonge. Je vais t'aider. T'es pas très fort. Et c'est difficile. À ton tour. Tu t'agrippes au cheval et tu te tends. Vas-y. C'est déjà mieux. Reste comme ça. C'est très bien. Remets-toi en selle. Le plus difficile pour moi, c'est quand on est tout droit sur le cheval, la tête en bas et les jambes vers le haut. Tous les muscles sont tendus, il faut garder l'équilibre. C'est très dur. Ton corps doit être comme une corde tendue. Un pied dans l'étrier, l'autre jambe en l'air, et tu lèves le bras. Tu peux descendre. Alexei, tu n'as pas besoin de marche-pied, grimpe. C'est bien, tu sautes bien. Prends ton élan et les deux jambes en arrière, tu t'assieds sur la selle et tu passes de l'autre côté, compris? Encore une fois. Quand tu atterris sur la selle, tu ne dois pas peser plus qu'une plume. Vas-y. C'est bien. La Jigitovka est un sport difficile. Ça demande de la préparation. Chacun des éléments semble facile pour les Cosaques, mais pour le débutant que je suis, c'est pas évident. Alina, attention! Sur cette ligne droite, sois plus attentive. Il s'énerve parce que c'est le chemin de la maison. Mais si tu veux, essaie. Tu vois? Tu es rentré au trot. C'est bien. Ce qui me plaît le plus, c'est cette chute. On agrippe la sangle, on se penche et on touche le sol. D'habitude, quand on tombe de cheval, on se retrouve tout de suite allongé par terre. Mais là, on est arrêté par quelque chose. C'est inhabituel.
J'ai appris qu'ici, à Rostov et dans la région, la culture cosaque était très développée. Ça m'a beaucoup plu. Je vais raconter toutes ces choses à mes amis. J'espère que ça les intéressera autant que moi. Le quotidien des Cosaques d'aujourd'hui est bien moins martial qu'autrefois. Jamais les États voisins n'ont toléré bien longtemps leur utopie égalitaire. Régulièrement pris entre deux feux, les Cosaques ont souvent été persécutés, pourchassés et décimés. Mais leur communauté s'est toujours reformée. Aucun système politique n'est parvenu à anéantir leur désir de vivre libre sur le dos de leur monture. Ces policiers auxiliaires restent des Cosaques, aux valeurs toujours vivaces. Comme cette hospitalité généreuse qui caractérise tous les hommes libres en tout temps et en tout lieu. Ils sont beaux, ces chevaux. Oui, très beaux. Nous sommes de braves gens. Revenez nous voir. On fera cuire du poisson. On fera du pain, on bavardera. Vous nous montrerez vos figures avec les chevaux, et nous, on vous montrera les nôtres. On prendra du bon temps. Vous êtes les bienvenus.